Hop là, on enchaîne avec la machine à sous au Galactic Cash Attack. Donc on va dire bonjour à Miss Free Spin, Miss Joker Statique. Si bien sûr les Free Spin veulent bien se manifester sur ce jeu. Les 125 balles Miss Max, on part à 52 700. Machine à sous casino, pile je gagne, face tu perds. Enfin sur le long terme, c'est un peu comme ça que ça se passe. Pas oublier que pour les free games sur ce jeu, c'est 3 scatters, roulant 1, 2 et 3. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis ce joker statique pendant les free spins. Et bon, bien sûr, s'il y a beaucoup de jokers d'entrée, c'est gros win. Et s'il n'y a pas beaucoup de jokers, c'est petit win à la clé. Dans le jeu, il avait commencé à 44 400, on a fait du bénéf, on va voir si celui-là il bouffe le bénéf du jeu précédent. S'il le fait gonfler. C'est toujours la même histoire pour les scatters, il y a peut-être 30, 40, 50 symboles ou plus par rouleau, donc c'est pas évident pour que le générateur aléatoire, enfin le générateur symbole aléatoire, il nous sorte les 3. Alors, numéro 3. Oh, sans déconner, il est là. Sans déconner, j'allais dire dans tes rêves. Alors, 1700 ballons initiales, on en mise max, pas oublier. Les mises du joker va-t-il être d'entrée présente? Un seul joker, on est mal barré parce que là on n'a pas beaucoup de free game. 2, 3, 4. Pour qu'on ait pas mal d'entrées, qu'on fasse une belle lignée. Alors combien? Un joker en plus, je pense pas que ça va gagner lourd. Alors, deux jokers en plus. Alors c'est quand même pas mal, on est à 4007. Les jokers en plus, ça qui est intéressant, plus il y en a, mais mieux c'est, car ils sont statiques, donc à chaque spin supplémentaire, c'est du big win. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Les spins suivants. Petit wild en plus, re-big win. Donc là, on va se taper encore 2 big win, il reste 2 free games. Alors, on dépasse le x50 par rapport à la mise. C'est pas mal, parce qu'on arrive au x100. Petit wild en plus. Voilà, c'est Miss Free Spin, Miss Joker Statique, l'attaque. Les derniers big win. Est-ce qu'on va avoir un joker en plus par hasard? Pourquoi pas, un en plus. Parfait. 2007, voilà, hop. Sans déconner, on n'est pas loin du x100 par rapport à la mise. 11 800, on n'est pas loin, pas loin. Alors, 62. On va faire une autre stratégie. Stratégie, ce genre de jeu, il n'y a pas vraiment de stratégie. Dans 11 008. Allez, 102 50, on va poursuivre un peu avant de revenir en mise max. Bon, je précise, c'est un coup de chance que le générateur de symbole aléatoire il ait sélectionné les 3 scatters d'entrée en début de partie, car des fois on a beau jouer pendant une plombe, on les voit jamais. De toute façon, c'est un peu comme jouer au dé, hein. Jouer les deux au dé, ça sort des numéros aléatoires entre 1 et 6. Si vous avez par exemple 3 dés que vous voulez lancer, que vous voulez faire un triple 1, ben autant vous pouvez faire 500 lancers, jamais vous y arriverez, puis autant au bout de 5 lancers, par coup de bol, vous pouvez y arriver. C'est le principe des systèmes aléatoires. Dommage, alors rank il est mise max. Il commence à 52 700, donc on va voir s'il bouffe le bénef ou s'il rebalance du lourd niveau win entre temps. Bon,
là, si on rebouffe le bénéf quand même, 11 800 balles, ouais, c'est, faut s'accrocher un peu. Mais bon, avec de telles mises, ça peut aller très vite. 10 000 perdants, c'est moins 1250, donc ainsi de suite. Dommage, ça aurait été trop beau. Va-t-il avoir un second round de partie bonus respin? C'est bien sûr les questions sans réponse. Bon, on a quand même retrouvé le chiffre 6, hein, car on était passé de 60 000 à 30 000 sur les précédents jeux. Donc là, joli coup de bol. Ce serait dommage de bien redégringoler tout ça. Oh, free game, après ça on se casse. Alors, 1500 balles initial, ben sans déconner, partie chanceuse, il a rebalancé les 3 scatters. Alors la bonne question, est-ce qu'on va avoir mise joker statique d'entrée? On va voir ça, 1, 2, 2 jokers. C'est free games. Ok, 3, 4, 5, pas mal, c'est un bon début. Alors là ça monte à combien? 275. Malheureusement pas de joker en plus. Il faudrait arriver à faire une lignée de 4 jokers par exemple. Ce serait du big win à chaque respin. Mais ça bien sûr. Allez, deux en plus. Allez, 1000 balles. Là on est du coup à 4002. Heureusement pas de wild supplémentaire, mais bon, avec tous les wildcats quand même, c'est big win à chaque spin. Alors est-ce que ça dépasse les 1002 dans 1025? Eh bien on a 5000. Un petit wild en plus, 1, 2, 3, parfait. Et bien, là ça va être du gros big win sur les deux free spins de restant. Alors combien? Chiottes de bordel. De sa grand-mère en string, ça y est, chiffre 6, 6008. Alors est-ce qu'on arrive au x100 par rapport à la mise? Et ben voilà, on n'est pas loin, 400 balles près, 1 × 100 par rapport à la mise. Et là on a 2 big wins. Alors big win de combien? 4000 balles. Qu'est-ce qu'il a filé comme symbole? 2004, allez, dernier big win. Chiotte de chiotte, on dépasse le x100 par rapport à la mise. Allez, dernier big win de combien? Sans déconner, on n'est pas loin de l'objectif, 100 000 balles, enfin on s'est bien rapproché. Allez, 2003. Ce qu'il nous faut au total. Bordel à chiottes de sa grand-mère en string de 16 837. Bon, ne pas oublier que c'est des mises à 125 balles. Ce serait des mises à 12,50€, ça aurait fait ouais, 1683 de win. Ouais. Et ben là quand même, c'est magnifique de voir ça, c'est pas tous les jours. Hein. 16 837. 76, mais pas de regret sur les pas d'options de retrait de ma partielle, car quand même. Et ouais, 60 000, on avait repos, on remonte à 76. Je vais me taire, je vais arrêter la vidéo, parce que là quand même, enfin on verra pour la suite, mais là, ouais, Miss Super Mario demain, bah, merci à toi, hop, et on verra pour les prochaines. Allez, un petit spin chance quand même. Ça aurait été trop beau. 350. Allez, close, et merci, au revoir.